Y'a rien qui va dans ma dégaine là. Tu peux arrêter de te mettre devant moi? Oh! C'est l'ascenseur à toi. Mais bouge! Mais bouge! Dégaine de fou. Je m'en fous. Dégaine de fou, je m'en fous. Aïe! Aïe! Un peu d'huile au fond, vous allez faire revenir vos oignons avec la viande le temps d'un moment. Donc une fois que vous avez dit, ramenez votre viande, vous mélangez, on va rajouter poivre, et sel. Donc là, j'ai rajouté feulfeul arbi, du piment sur la viande comme ça, épices. Là, je vais mettre du table. Et je vais laisser cuire. Vous mélangez. J'arrive pas à vous faire voir. On voit un peu. Et après, je vais mettre une cuillère de concentré. Les filles, j'avoue, j'ai sauté beaucoup d'étapes. Donc, j'ai mis de la sauce tomate derrière. J'ai bien fait revenir la sauce tomate concentrée au début avec la viande, les oignons, sel, poivre, table, ce feulfeul, enfin, piment fort et harissa arabe. Donc, voilà. Et j'ai bien laissé revenir pour que la viande cuise à l'extérieur. Ensuite, j'ai rajouté de l'eau. J'ai fait un peu encore revenir la sauce. Par la suite, j'ai ajouté mes légumes, donc mes petits pois et mes carottes. Hello mes beaux. Ok les filles, vous savez très bien comment je fais très attention à mes dents. Donc ces produits sont juste incroyables pour le blanchiment des dents, pour l'entretien, l'hygiène de mes dents. C'est juste le top du top. Donc vous avez le dentifrice, la poudre blanchissante et le bain de bouche. Donc c'est vraiment un soin complet. Donc vous humidifiez votre dent, votre brosse à dents. Vous mettez ensuite quelques gouttes du dentifrice et vous allez vous brosser les dents pendant 2 à 3 minutes. Vous allez voir, les résultats sont incroyables au fur et à mesure du temps. C'est juste le top du top. Donc les filles, vous savez tout très bien que le bicarbonate est très très bon pour blanchir vos dents. C'est une poudre faite à base de bicarbonate. C'est que du Made in France, hein, ne vous inquiétez pas, ce sont des produits totalement vegan. Donc c'est une poudre de bicarbonate avec un goût menthe, donc c'est hyper agréable. Vous avez juste pareil votre brosse à dents est humide
vous la trempez à l'intérieur. Et on va venir frotter les dents. Très simple, hein. Très très simple à utiliser. C'est le top. Regardez la différence avec ma fausse dent. Ma vraie dent, elle est grave blanche. Ma fausse dent, elle est pas blanche. Il faudrait que je la fasse changer. Mais pour vous dire que le produit fonctionne réellement, je suis quelqu'un qui fait très très attention à son hygiène buccale. Et pour vous dire que ces produits sont juste topissimes, je vous le dis, ça fait quelques semaines déjà que je les utilise avant de pouvoir vous les présenter. Et franchement, c'est top. Ensuite, bain de bouche. Hop. Et voilà, vous terminez avec une haleine fraîche. Ça bien nettoyé entre vos gencives. C'est le top du top. Vraiment la fille. Je vais vous montrer. Comme vous avez pu le constater, mes dents sont extrêmement white. Aucune retouche, aucun filtre. Et vous l'avez vu, j'ai fait les produits devant vous. Comme je vous ai dit, je l'ai testé plusieurs semaines avant de pouvoir collaborer avec eux et pouvoir vous partager des codes promo et pouvoir vous partager un bon produit. Et vraiment, pour le coup, ce sont des produits bio. Vous pouvez y aller, les filles, les meufs, c'est juste trop, trop bien. C'est le top. Bon, c'est parti. Make-up. J'ai changé de t-shirt. Ok, là on va faire un petit zoom pour que je vous montre par rapport à mon crayon à lèvres avec le gloss ultra extrême volume de chez Dose Beauty. Et je vais vous le faire sur une partie de ma bouche pour que vous puissiez voir la différence. Comme ça au moins vous avez le résultat en direct. Donc, je vais commencer par le crayon. Le crayon est juste top, il est crémeux, il marque bien. Donc on va voir ce côté. Et ce côté, voilà. Voilà. Ensuite, je vais appliquer le gloss pour que vous puissiez voir la différence.
il est au top du top. Il vous fait des lèvres pulpées juste incroyables. Et la couleur aussi est assez naturelle du crayon. Regardez les filles. Là, j'ai pas encore laissé poser 10 minutes, mais on voit quand même une différence. Là, ça a repulpé mes lèvres. Et là, non. C'est incroyable. On le voit carrément à là. C'est choquant. C'est vraiment un gloss incroyable. Regardez. Là, vous le voyez, le pli, il est remonté. Ça repulpe. Là, j'ai une... C'est trop beau. Et là, il est un peu plus descendu. On le voit là. Incroyable. Avec. Son. Avec. Son. Vraiment, je vous le conseille pour toutes celles qui veulent repulper leurs lèvres. Donc là, je vais terminer mes lèvres, moi, personnellement. Mais on le voit clairement là. Vous avez vraiment un effet cœur qui rehausse. Là, vous avez une lèvre beaucoup plus repulpée. Go, terminer mes lèvres. Hop. C'est ouf comment elle a gonflé mes lèvres. C'est un petit cœur. Parce que flemme de rester avec une lèvre gonflée à droite et une autre non. J'ai pas de code promo pour aujourd'hui, mais je vais voir si je peux vous en avoir un. Sinon, je vous en mets un dans la semaine dès que j'en ai un. Mais il est top ce gloss, j'aime beaucoup. Les filles, il est l'heure pour moi de faire une pédicure. J'enlève, je nettoie. Merci, c'est trop gentil pour mes sourcils. Je vous mets la fille qui me les fait juste là, elle est trop gentille et franchement, son travail est juste incroyable. Des broussailles. Bon, sourcils fait, ongles des pieds fait, ongles nettoyage, je mets plus rien sur mes ongles hein, les filles, hein, comme vous pouvez le constater, ça a réparé mon ongle de ouf celui-là, j'attends que les autres aussi, parce qu'ils étaient dans un état catastrophique, et même je préfère en ce moment les laisser tranquilles, et puis voilà, manucure pédicure faite. Je vais aller faire quoi? Je pense que je vais aller nettoyer ma bague de mariage. Elle tient même plus. Les filles, j'ai tellement maigri que ma bague ne tient même plus. J'ai trop peur de la perdre. Ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai reperdu... On va dire combien? Parce que je suis remontée à 87. Là, je suis retombée à 84,9. J'ai perdu énormément de kilos en deux jours. Je vais rentrer à la maison, je vais mettre en pyjama en deux minutes. Il est temps pour moi de préparer les valises.
Oh là 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 là, Mehdi il est encore dans les trucs de voiture. Lui il a décidé d'aller vendre une voiture que faire-ci. Je vous rassure, bah, James et les autres. Mehdi il aime trop tout ce qui est voiture, donc il achète des petites voitures qui revendent. C'est grave son truc, grave son délire, les voitures. C'est parti, let's go! Hop! Hop! Je vais appeler Déby à m'aider. C'est parti. Moi, je suis en pause. Lui, il est en pleine valise. J'en peux plus. Je sais pas pourquoi je prends autant d'affaires à chaque fois. Tu t'en sors? Ouais. Pourquoi tu t'en sors pas? Je sais pas, trop de trucs. Mais moi j'ai pris grave des trucs. Faut que je me démaquille là d'ailleurs. Mes cheveux ils ont grave éclairci. Ouais.